Cette loi, par ma foi, est très sage. Par elle, on verra toujours la paix et les amours régner dans le ménage. Si l'époux est jaloux et sauvage, pour une telle raison, la femme peut fuir son ménage. Le mari le moins volage peut après le mariage en garçon faire son bon apôtre. Même il peut, quoique lié, épouser la moitié d'un autre. Contre nous, nul époux ne déclame, car plusieurs se marieront dans l'espoir qu'ils pourront un jour changer de femme. On pourra troquer sa citoyenne, et ce qui bien pis sera parfois qu'on reprendra la sienne.